On a le son. J'ai appuyé sur le bouton, c'est reconnu, c'est bon. Système. Attends, je peux pas changer la langue. Résolution, est-ce que je laisse à fond? Parce que il fait chaud hein, quand même, j'ai peur que ça chauffe trop. Après, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'il chaufferait moins? Là, je baisse un cran. Ouais, sans... on s'en fout. C'est où le son? Musique. Mettre comme ça, hein. Ah, on est pas mal comme ça. Ok. New game. C'est parti. Yes, indeed. Alors, je me rappelle plus de rien. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Elle était pas mal l'intro, je m'en rappelais plus, tu vois. Et ouais, donc t'as pas essayé le mode convergence, bah écoute, moi non plus. On s'appelle comment? On s'appelle pas. Comment on va l'appeler celui-là? J'en sais rien, allez, on va l'appeler classiquement...
Oh merde. Pourquoi ? Marche pas. Hop. Il sera jeune, comme moi, évidemment. Classe. Alors, je sais pas... Parce que le mode convergence, effectivement, rajoute plein de classes, d'armes. Tout le cheminement est changé. Mais comme je me rappelle plus de ce qu'il y avait dans le jeu de base, je saurais pas dire ce qui est nouveau ou pas, là-dedans, dans les classes. Donc j'en sais rien. On va voir un peu ce qu'il y a. On a quoi ? Géomanceur. Ça existe ça, Géomanceur ? Ça va être nouveau ça, non ? On pouvait pas changer la langue. Ah ouais, non, bah ouais, c'est pareil, le convergence de... Merde, de Elden Ring, c'est pareil, on pouvait pas changer, il n'y avait plus le français. On fera avec, hein. On est bilingue. Et j'ai un excellent accent anglais, donc... donc voilà. Nouveau. Ok, mais bah après, je sais pas ce que ça fait faire, les stats. 7-9, ouais, c'est pas terrible. Aéromanceur aussi. Aéromanceur ? C'est où ça ? Ah ouais, putain. Mais qu'est-ce qu'ils font de plus à part avoir des stats différentes en fin de compte ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Il y a toute la série des menseurs, quoi. Toute la famille menseur. Mais au final, si ils ont des sorts spécifiques, ouais, que t'as peut-être pas dans le jeu de base. Mais ouais, j'utilise pas trop la magie, moi, dans ces trucs-là. Alors, y a pas un bon vieux guerrier bien bourrin qui tape partout. Priest of Gwyn. Lui, non ? Level 17. Ah, tu démarres... Ah ouais, alors attends. Parce que tu démarres pas tous au même niveau. Ok. Et c'est quoi ? Il fait de la foi, lui, non ? Ah ouais, 20. 20 en foi. C'est beaucoup, hein. Tout en bas, non. Ah bah attends, y en a plein des classes, là. Bah voilà, c'est le dernier, lui. C'est le SL1. Level 1, il a juste un point en foi. Ça, lui, il a vraiment rien, le pauvre. Il a rien pour lui, quoi. Barbarian Survivor. Ouais, il a level 1, il a 10 partout. Il est équilibré, c'est bien. Le chevalier 14. En fait, faudrait calculer là, le nombre de points total, faire la moyenne et par rapport au niveau de démarrage. Tu vois si ça vaut le coup ou pas. Il est pas mal lui, non ? Il a combien ? 16 en vitalité, 14 en force, 14 en dextérité. Il a un petit bouclier. Attunement, c'est quoi attunement ? 8. Warrior. Warrior, ah, il a plus de force. Mais moins de vitalité et de dextérité. Alors lui, il est mieux, lui, hein, le chevalier. Il a à la fois, ouais, le Lost Soul. Ah ouais, c'est tout ce qu'il a. Et encore, il a qu'un point. Assassin. 18 en dextérité. Lui, il est vif, hein. Mais bon, c'est ça... C'est pas assez résistant, tout ça. Ranger. Ranger. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Oh putain, 19 en force et en dextérité, dis donc. Il est bon, lui. 14 en endurance, 8 en vitalité. Il démarre à 17. Le chevalier démarre à 14. Putain, ouais, attends. Il est pas mal, lui. Parce qu'après, bon, à part en vitalité où il est un peu léger, le reste, ça va. Mais à 19 en force et dextérité, hein, c'est pas dégueu. On va se le mettre de côté, le ranger. Parce que le chevalier... Il est pas mal aussi. Mais ouais, celui-ci est pas dégueu quand même. Hein.
Deranged Hermit. Okay. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, tu me diras, intelligence et foi, il est pas mal, hein. Il n'y a pas de vigueur. Forlorn Soldier. Putain. Il y a ce faux. 18 en dextérité. Dreadnought. Ou putain, 25 en force. Ah bah voilà. Par contre, que 5 en dextérité. Hein. C'est pas... Ouais, pas terrible ça. 20 en vitalité. 0 en chance. Bon, il a pas de chance, mais il tape fort. Voilà. Isalith Légionnaire. Ah, lui, il est pas mal aussi. Il manque un peu de force. Mais il compense par dextérité, intelligence et foi. Il a un joli petit sabre. A voir. Oh! Death Knight. 18 en foi. 18 en force. Et il est pas mal aussi lui. Bah, niveau 23 par contre. Démarrer niveau 23 avec des stats comme ça, bon. Je sais pas si c'est rentable. Mais il est sympathique. Bloodguard. Ouais. Pas mal aussi lui, hein. Dextérité et foi. Il est stylé, hein. Le paladin, 24 en vitalité. 15 en force. 18 en foi. 12 en dextérité. Ah, il est pas mal aussi. Ouais, niveau 27 par contre. Hein. Finalement, par rapport au niveau de base, peut-être pas terrible. Ouais, 5, 8. 5 en vitalité, putain. Tu fais quoi avec ça? Non. Olacil Vanguard. Ouais. Bof. C'est quoi, c'est une branche? Ah non. Witch Hunter. Oh putain. Ah, 8 en vitalité, c'est pas énorme. Hein. Mais 16 en intelligence. Battle Mage. Alors lui, il fait attaque et magie, c'est ça? 5 seulement en foi. Par contre, 18 en intelligence, 18 en force. 10 en dextérité. Niveau 18, il est pas mal aussi, lui. Hein. Si tu veux faire un peu des deux. Arcane Infiltrator. 9 en vitalité seulement, c'est pas assez. Hein. Niveau 15 en plus. Alchimiste, niveau 10. Ouais. Light Sorcerer. Putain, ouais, il a des stats de merde, lui. Nul. Warlock. 17 en intelligence, ouais. 8 en vitalité. Sorcereur, 20 en intelligence. Puissant sorcier. Niveau 15, ouais, il est pas mal lui aussi. Aéromanceur. Bref, 5 en vitalité. Nécromanceur. Après, je sais pas s'ils ont des trucs, des spécificités en dehors des stats. Prêtre de sang. Il y a du sang dans Dark Souls 3, les attaques de sang. 9 en vitalité, c'est pas beaucoup hein, pour un niveau 16. Et ça, on les a vus, ceux-là. Druide. Druide, ouais. Pourquoi pas. Hein. C'est quoi, c'est une dague empoisonnée, ça? Cryomancer. Attends, il n'y a pas un truc où tu peux voir le... Si, c'est ça. Ah non. Pyromanceur et géomanceur. Il a 18 en force, lui. Hein. 9 en vigueur. 5 en vitalité, ouais, c'est pas assez.
Du coup, on avait dit, moi, je voulais prendre soit lui, niveau 14, soit le Ranger, niveau 17. Le Ranger, il me tente pas mal, hein, parce qu'il a déjà 19 en force et dextérité. Il manque de vitalité, par contre, 8, alors que lui, il a 16. Ça, 14 et 8, 17. Ils ont 3 niveaux d'écart. Faut que je fasse le total des points là en vitesse. Ça fait combien? 22, 34, 50, 78, 87, 95, 104. Si je me suis pas trompé. Au total, 104 points. Et l'autre, il a combien? 20, 34, 34, 42, 61, 62, non, 61, 80. 90, 99, 110. Et l'autre, putain, j'ai oublié. Combien j'ai dit? 110, l'autre, le Ranger. Et lui, on a dit 20, 34, 40, 50, 64, 78, 86, 95, 103. 103, 110. Lui est 103 à 14 et 110 à 17. Donc si je rajoute 3 points, il est quand même en dessous. Le Ranger est mieux. Faut juste que je lui remette de la vitalité. Donc il a plus de points au total. Ok, bah je vais prendre lui alors. Allez, va pour le Ranger. Burial Gift. Oh, alors ça... Ah, et là, j'ai pas encore les explications. Je sais pas... 10 Firebomb. 20 couteaux de lancer, ça sert à rien. Alors, attends, les Firebomb, 10, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Impairing Pendant. Je sais pas à quoi ça sert. Vulnerability. HN. Colonie, mais c'est consommable. J'en sais rien, je sais pas quoi prendre. Bah, c'est marqué en plus, putain, je suis con, c'est marqué au-dessus. Lowers all your damage by 75%. Ouais, pas mal. Mais ça s'utilise qu'une fois, ça. Baisse les PV de 75%. Quelle idée. Remove passive FP Regen. Utilisé en dernier recours. Ouais, je sais pas. Ça, c'est quoi? Retourner au dernier feu. Attire les ennemis. Bon, je vais prendre les firebombs, hein, je crois. Allez, on va prendre ça. Oh, les sales têtes. Build. Oh putain, attention. Bah nous, il sera gros, voilà. C'est le Winter Body. Apparence. Musculature. Oh. Attends, je peux pas lui changer un peu sa tête là? Ah si, face détail. Bon, oh, et puis on s'en fout, de toute façon, on le verra pas, il sera habillé.
bah c'est bon, hein, on y va. Hein. Notre ranger, là, on dirait un Robin des Bois. Start. Allez, c'est parti. Eh ben en avant, cimetière de flammes. On démarrait comme ça? Putain, ça me dit rien. Alors attends que je me rappelle un peu des trucs là. On va voir ce qu'il a. Équipement. Ça c'est quoi? Ah, ah putain, faut qu'il joue à l'arc lui. Donc je démarre avec 3 fioles de soins, mes 10 petites bombes. Alors attends, comment on fait pour... Parce que c'est pas comme dans Elden Ring là. Ça ok. Ça ok. Comment je fais l'arme à deux mains? Ah si, c'est pareil. Ah non, merde, là il a pris le bouclier. Ah, c'est le triangle, ok. Par contre, je me rappelais plus qu'on démarrait comme ça. Oh putain. Ça, ça doit être propre au mode, non? Parce que c'était pas comme ça le début. Je sais pas où il faut aller moi, attends. Ouais d'accord. Ah ouais attends, faut que je bouge ma tête là pour qu'on voit les... Les âmes. C'est où? Je suis où? Je suis là. Ah, je me mets comme ça, c'est bon. Hop. Ça, je laisse les sous-titres et puis... on voit mes âmes. Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Pas bien en plus là dans le... avec le décor. Donc il y en a deux là. Ah bah c'est l'autre qui viendra en premier. Ah, ah ouais putain c'est vrai on peut pas sauter là. L'autre il est parti alors. Attends. Merde. Oh putain. Ah ouais mais... Commence bien. Putain ils m'ont cerné. Bah c'est reparti. Merde, putain, j'ai pas vu. Attends, j'ai... Ah non, je croyais que j'avais un passage là. On va pas trop avancer alors. Hein. Oh
Attends, il y a pas... Ouais, non, c'est pas comme Elden Ring. Il y a pas des coups spéciaux, là. Avec l'arme, là, non. Il fait pas ça. Il y en a un qui arrive, là. Oh, putain. Il tire loin, en plus, hein, c'est con. Ah, puis... Ils ont les objets illimités. L'arche titanite shard. Ok. Alors attends, là faut pas que je me fasse coincer. Hein. L'autre il est plus là. Oh putain, on voit mes âmes là-haut qui brillent. Il y en a un qui crie là, non? Il est où? Allez, viens toi. Là on est bon. Il y en a un là-haut. À me récupérer 1300. Ok. Ah, y a un truc là-bas au fond. Oh putain, je sais pas où aller. Mais on entend... Attends, on en entend un là, non? Il est où? Oh putain, il arrive. Il était caché là, l'enfoiré. Oh putain. Ils sont là les deux? Mais c'est... Ouais, ok. On va les éviter alors, non? Par là. Merde, putain, je me trompe de bouton. Turn back, ok. Ah ouais, attends. S'il dit ça, c'est qu'il faut y aller, non? Oh putain, non, il y avait un... Ouais. Ok, ça je me rappelle. On va pas faire ça maintenant. Les deux là, ils font tout. Attends, on va passer, on s'en fout. Alors attends, j'arrive pas à lire ton pseudo. C'est quoi, c'est Etix? Etixo. Mais bienvenue à toi. Pourquoi le monde est si jaune? Bah écoute, là c'est pas le jeu normal, c'est un mode, le mode convergence. Et après je suppose que c'est pour ça que le décor est un peu bizarre, ouais. Alors déjà, je t'avoue que je me rappelle plus du jeu de... Enfin, plus. Je me rappelle un peu, mais plus dans les détails du jeu de base. Et le mode convergence, je le découvre là, donc je sais pas trop ce qu'on va avoir comme changement. Ça ajoute d'autres boss, ouais, des boss, des armes, des nouvelles classes aussi, parce que on a vu tout à l'heure, ouais, des nouvelles classes. Et après, après on va voir, hein, tout ce qui change. Il y avait un feu là avant, non? C'est nouveau ça aussi. Parce qu'il me semblait qu'on n'avait pas de feu avant le boss.
Mais ma foi, tant mieux. Level up. Ah, il faut 2000. Marc, il manque pas grand chose. Hein. Faudrait que je me mette un peu plus de vie. Quoique, attends, non. C'est ça la vie. Vitality, c'est quoi? Tu viens de lancer le jeu? Ouais, bah, il y a. Ouais, il y a pas longtemps. Il y a quoi? Il y a 10 minutes peut-être? Bah, le temps de créer un perso et puis. Et puis là, j'en suis au tout début, quoi. L'habitude des Souls. Ouais, je les ai tous faits. Après. Attends, est-ce que je les ai tous faits? Oui, si, je les ai tous faits. Après, je peux pas dire non plus que je suis un pro et que je connais tout par cœur, tout ça, mais je les ai tous finis, ouais. Ça, c'est la défense. Maximum équipe load. Attends, c'est dissocié de l'endurance alors ça? Putain, je me rappelais plus de ça. Endurance et vitalité. Bah ça va alors, on n'est pas si mal. T'as passé une heure sur Gaël. Tu fais aucun dégât à Midir. Dragon, c'est la galère. Je sais même pas. Je sais même. Midir, c'est le dragon noir, non? C'est. Et Gaël, je sais même pas si. Je sais même pas si je l'ai fait. Hein. Parce que le 3, en plus, des 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. Moi, j'ai préféré le 2. Et en plus, quand je les ai fait, je les avais enchaînés bah, avant la sortie d'Elden Ring. Du coup, je fais les 3 à la suite. Et arrivé au 3ème, j'ai moins accroché. Mais je pense que j'arrivais à saturation des Souls. Le chevalier esclave du DLC. Bon, je crois que j'ai pas tout fait en plus dans le DLC. Hein, sur celui-là. J'ai dû finir. Je crois que j'ai rushé un peu le jeu de base. J'avais fini en vitesse. Mais je suis pas allé au bout de. Du truc comme j'ai pu faire avec Elden Ring. Là je peux prendre un niveau, alors attends. On va se mettre... On va se mettre de la vigueur alors. Parce que là... Ah ouais. Je gagne qu'un point en poids, alors on s'en fout. On va se mettre de la vigueur. Hein. Ça, c'est la magie. L'endu, 2 points seulement. Go pour la vigueur. Sur le jeu de base, j'ai mis 4h30 en stream pour battre le boss final. Oh Ouais, je sais pas, c'est... Mais bon, comme j'ai fait celui-là après le 2, il m'a paru beaucoup plus facile, alors je saurais pas te dire, je crois que j'ai pas tant galéré que ça sur les boss là-dedans, il me semble. Je crois que j'avais fini rapidement celui-là. Bah c'est sûrement celui sur D3 sur lequel je suis allé le plus vite. Hein. Après, je sais pas, t'as fait que les Dark Souls ou aussi tous les... genre Elden Ring, Bloodborne, Demon's Souls et tout ça. Titanite, ok. Et là on va arriver au premier boss, alors est-ce qu'il sera pareil, est-ce qu'il sera...
différent. Je sais pas là s'il est plus. Si la difficulté elle change par rapport au. Au jeu de base. Putain, déjà je vais devoir utiliser une fiole. Ouais, ben c'est mal barré. Hein. Je vais prendre les. Et ça, c'est quoi? Ça, ça redonne de la magie, c'est ça? Ah, attends, tu peux répartir comme dans. Attends, je retourne au feu. Parce que la magie, je m'en fous, hein, j'en ai pas besoin. J'ai fait Elden Ring en live, Demon's Souls peut pas. Ah oui, parce que ouais, t'as pas de. De PS5, ok. Tout le monde pareil, ouais, du coup. J'ai à peine commencé le début. Ok. Sekiro peut-être. Sinon j'ai fait Dark Souls 1. C'était simple. Le 3 aussi. Le 2, les touches clavier souris sont horribles. Ouais, le 2 en plus il est pour moi c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile, mais en même temps l'histoire c'était au niveau scénario c'était le mieux j'ai trouvé. Ah bah voilà. Nickel. Donc là j'ai 4 fioles. C'est bon. Sekiro fini. 5 heures sur le boss final. J'ai passé du temps aussi hein, sur le boss de fin, mais c'était un des premiers que je faisais Sekiro. Et ouais. C'était un peu galère. Là non, ouais, c'est pas le même gameplay. Ouais, c'est ça, faut avoir des réflexes. Mais c'était pas mal. Du coup, tu l'as retéléchargé pour du speedrun. Oh, c'est dégueulasse. Tout ça pour me faire utiliser une fiole. Qui me redonne même pas toute ma vie. Et du coup, tu le fais en combien de temps, Sekiro, alors, en speedrun? Ça se fait en combien de temps, ça? Putain, l'autre, il m'a vu de suite. L'enfoiré. Il est où? Quoi qu'il attend, je peux passer par là, non? C'est vrai. Ah ouais, alors attends. Non, c'est pas comme ça. Comment on fait? Je me rappelle plus. Ah, tu... Ouais. Tu démarres à peine, ok. Bah, bon courage. Attends, il était juste en dessous, lui, normalement. Oh, je peux pas lui sauter dessus, il est un peu loin. 33 heures pour finir Sekiro la première fois. Bah, c'est pas mal, non? Alors, moi, j'avais mis plus que ça, j'avais galéré. Plus au début, je savais pas qu'on pouvait se soigner avec les fioles, là. J'utilisais les boulettes. Comment on se baisse là-dedans? On peut pas se baisser? Il y avait pas un... Non? On peut pas. Ah, ah putain, et ouais. Ouf. Ok. J'ai pas vu venir lui. L'enfoiré.
Attends, ouais, non, il se baisse pas. Hein. Merde. Plus je me trompe de touche. Pour monter et sauter. Ouais, mais comment tu sautes? C'est moi, j'ai l'habitude d'Elden Ring maintenant et. Merde. Attends, il est où? Il est là. Tu cours et t'appuies sur espace. Ah non, je suis à la manette. Oula, non, je joue pas au clavier. Hein. Il vient pas, ce con. Verrouillage. Oh, il a tapé le caillou, ce con. Putain, ça me fait chier de dépenser des soins pour ça. Alors attends, t'as raison, paramètres. C'est où les touches maintenant? Qui? Contrôleur. Jump. L. Ah putain, ah ouais, pas pratique ça. Il y a rien pour se baisser alors. Ok. Attends, faut que je repère le truc là. Il est là. Joli. Ok. Voilà. Je sais pas si je peux y sauter dessus de là, ça fait un peu loin. Ouais, ouais. Faut que je peux rusher au boss. Ah ouais, il a changé le boss. Ok. Bon, c'est pas gagné. Hein. Tu peux pas t'abaisser, juste avancer au ralenti. Ah ouais, mais... J'ai tellement l'habitude maintenant avec Elden Ring que c'est dur de revenir en arrière. Bon, il va être chiant lui, non? En plus, putain, j'ai pris des bombes de feu. J'aurais pas dû. Bon. Oh putain, le bouclier en plus, ça sert à rien quoi. Oh. J'ai pas de résistance au feu. Oh. Je suis galéré déjà d'entrée. Attends, où est-ce que je vois mes résistances là-dedans? Fire. Absorption 27. C'est pas mal pourtant.
je crois. Sur Elden Ring, je viens juste de buter Morgoth. Ah, bravo. Mais c'est ta première run sur Elden Ring ou ou pas. Bah Elden Ring, t'as tellement de possibilités de progression. Bah tu vois, quand il y a eu le DLC que je m'y suis remis, bah, j'ai découvert encore des nouveaux trucs alors que j'avais à peu près 800 heures dessus quoi. Ah, je suis coincé. Ah, puis en plus j'ai une arme qui a pas de portée. Je vais être juste en santé. Quoique, putain, je suis con, faut que je prenne mon arme à deux mains parce que le bouclier me sert à rien. Ouais, c'est pas si mal. Pourquoi c'est moi qui prends du dégât? Ça faut que je roule sur la gauche. Je vais prendre un émulateur pour faire Bloodborne. Ouais, j'aime pas que c'était possible, tu vois. J'avais pas l'habitude des Souls. Bah encore Bloodborne, ça va, je trouve que c'est sûrement le moins difficile de tous. Bon, sauf peut-être le DLC. Oh putain. Et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu regretteras pas. Tu aurais dû peut-être attendre que je passe le premier boss. Ça se trouve, je vais rester coincé là comme un con. On va le faire, on va le faire. Ah ouais, faut que je fasse attention parce que j'ai pas beaucoup d'endurance. Ah, oh, je l'ai pas touché. Alors attends, comment j'aurais pu esquiver ça? Déjà, faut que je me soigne. Ah, il fait quand même du dégât, hein. Pourtant, j'ai pas eu l'impression qu'il m'ait touché. Ah ouais, mais son feu, il fait tout l'écran aussi. Ah, bah en plus il m'attrape. Oh putain. La totale. La mécanique du jeu est différente. Tu parles de quoi? De Bloodborne? Ouais. Faut pas esquiver, hein. Faut taper. Ah, et pourquoi je me fais chier avec eux aussi, hein, alors que je devrais aller direct au boss. Putain, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut farmer du level avant de déjà d'entrer là?
Oh, je touche pas. Oh, putain, c'est pire que Elden Ring, quoi. Ah, incroyable. Watchdog of Firelink. Quelle saloperie. En plus, il y a une grande barre de vie, non? Ouais, puis là, je suis coincé, j'ai rien, quoi. C'est quoi ça? Unlimited use. Lose soul and return to bonfire. Ouais, on s'en fout. Et ça, ça fait quoi? Restore the link to other world. Je sais pas ce que ça fait. C'est une rapière ou une épée? Je sais pas. C'est une épée droite. Oh putain, durability. Il y a de l'usure là-dedans aussi. Merde. Elle fait quoi? Elle fait pas grand chose, hein. Si, elle fait du critique. Mais ouais. Il est facile, ouais. Il est facile quand on l'a battu. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. On paiera au boss des DLC. Oui. Ouais, mais après, la convergence, je sais pas si ça... Peut-être que ça modifie aussi la difficulté. Hein. Ah, je peux pas l'approcher, hein. Ah non, c'est lui qui me tape. D'accord. Ah, j'ai pas assez d'endu. Putain. Oh, puis alors, il enchaîne, hein. Ah, oh, j'ai pris du dégât. J'ai plus de soins déjà. Oh, merde. Je manque d'endu, de vie et de puissance d'attaque. Ça craint. Ouais, mais là, je sais pas si t'as vu, mais quand je reste à côté de lui, je prends des dégâts. Je suppose parce qu'il s'enflamme. C'est quoi ça? Crafting. Là, je me rappelle plus qu'il y avait ça dans celui-là. Ah, ils me suivent, hein. Les enfoirés. Oh, merde.
Ah, j'ai pas assez dans lui. Hein. Il enchaîne. Ah ouais, je prends des dégâts quand même si je reste avec lui, parce qu'il fait... Il s'enflamme, ce con. Bon, faut que j'arrive à gérer le... l'endurance. Surtout. Pour pas être... à court. Mais bon, fait chier, il va falloir que je donne un coup par un coup, quoi. Foiré. C'est moi, j'ai voulu essayer de donner deux coups pendant qu'il crachait son feu et j'aurais pas dû. J'aurais dû garder la même stratégie, mais ouais, faut que je fasse un coup par un coup et attention à l'endu, quoi. Et hop. Tu vois pas prendre de dégâts à côté de lui? Bah regarde. Tu vois, là j'en ai pris. Oh putain, c'est con, hein, si... j'aurais peut-être pu le tuer comme ça. On va se soigner quand même. Hein. Ah, là j'en ai pris. Bon, si c'est pas tout le temps, ça va, ça se gère. J'ai appris aussi. Oh putain. Ah merde, je suis coincé. Eh ouais. J'étais trop au bord. Faut avoir le bon temps de réaction. Bah ouais. Après. Tu dois bien douter que. Si c'était si simple, j'aurais déjà passé. Merde, oh putain, puis je me trompe de touche.
Oh, comment j'ai pris des dégâts là? Pourquoi? Ah ouais, non. J'arrive pas à le contourner. Tu utilises jamais les attaques lourdes. Bah ouais, moi ça dépend. La caméra elle tourne toute seule. Oh. Pourquoi il me touche là comme ça alors que je suis de l'autre côté? Par là, je vais me faire coincer. Oh, je touche plus. Oh. Eh ben, putain, il m'a donné du mal dès le début. Ouais, merci. Un mob de Bloodborne. Facile, ouais. Ah bah, first try au bout de 10 fois. Bon, ça me fait 8000 âmes quand même. Je peux prendre du level là avec ça, non? Il me faut de l'endu. Et de la puissance, voilà. C'est ça qu'il me faut. Prochain boss, le même en double. J'en sais rien, écoute, on verra. C'est qui le boss dans le jeu de base? Après. Le deuxième, c'est pas le, l'espèce de crapaud là, qui fait l'électricité? Je sais plus comment il s'appelait. Level up. Ludex Gundyr. Mais le deuxième après celui-là. Celui. C'est où tu posais une bannière, je crois. Vort. C'est Vort, il s'appelait. Je sais pas si ça sera le même ou pas, ou s'il y en aura d'autres avant. On verra. Hein. Endurance. Alors attends, mon arme. Est-ce que je fais en fonction de cette arme-là ou. Parce qu'on va la changer après. Ça augmente la défense, non? Ils disent. Vitalité. Physical défense. Ça, il m'en faudrait aussi, hein, à vrai dire. Je vais peut-être monter à 10. Si je peux. Vort de la vallée boréale, ouais, c'est ça. Bravo.
Eh ben, on va mettre un peu de défense. Et un point de quoi? D'endu? Oh, deux points, c'est pas énorme. En attaque, lui, il est... c'est sur quoi, lui? Force, allez. On y va comme ça. Vort, ouais, je me rappelle plus. Je sais plus s'il m'avait donné du mal ou pas. Après, tu sais, moi, je suis pas bon. Alors, je sais que dans ces jeux-là, je ferai pas forcément du first try. Mais bon. Après, je sais pas. Comment dire. Je regarde pas ça. Après, tu vois, j'ai quand même la fierté d'avoir réussi Elden Ring en RL1. Donc, maintenant, même si je meurs 15 fois sur un boss, m'en tape. Pas grave. Tu peux arriver à le first try? Oui, je peux. Hein. Mais bon. Je cherche pas à les first try tous quoi. Je sais plus où il faut aller là. C'est par là-haut peut-être, non? Le château là. C'était juste là comme ça. Ah ça, facile. Firelink Shrine. Ah bah voilà. Ah c'est bizarre, c'est en français là. Feu allumé. Alors que tout le reste c'est en anglais. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. Firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. Welcome to the bonfire. I'm a firekeeper. Par contre, ouais, j'ai pu level up. Very bah, non, j'ai tout dépensé. Il est où le forgeron là-dedans? Est-ce que j'ai des cailloux là? Ah, well you're not going to be creepy. And it will. Don't you think? N'oublie pas le samouraï à côté de la tour pour son équipement. Samouraï à côté de la tour. En haut là, non? C'est pas par là? Par là-haut, ouais, il y avait un... Ouais, mais est-ce que je suis prêt pour ça? Puis est-ce qu'il sera toujours là? Parce que tu sais, dans le mode convergence, il change tout. Hein. Enfin, tout. Il sera peut-être pas le même. Hein. À droite de l'entrée. À gauche. Ah bah alors. À droite ou à gauche? À l'intérieur du truc? Il y a un samouraï là-dedans. Ça me dit rien. Non, moi je cherche le forgeron là. Il est où le forgeron? Là-bas, non? Ah non. Attends, ou alors ils ont changé. Ah non, là-bas au fond. Ou ils ont changé la disposition du château peut-être? Avant d'entrer dans le sanctuaire à gauche. Je sais même plus par où je suis rentré. Non, c'est... Welcome, my child. Learn Dark Miracle. Ah ouais? Beat. Ah bah, sacré miracle. Qu'est-ce que c'est que ça? Summon Insect Swarm.
to Feast and Froze. Ah ouais, c'est nouveau ça, non? Farewell, child of ash. Un bon katana dès le début. Ouais, mais après, tu sais, il sera peut-être pas là. Hein. On va voir. And je vais aller so, voir. Ash returns to the dead. Bah oui, ils étaient pas là non plus. Magique miracle. Ah, et c'est tout pour la magie. J'aurais dû faire un magicien en fait. Revel in the silence, Ashen One. Il est là. All that unkindled. Il est là, lui. Transpose. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Merde, puis à chaque fois je me trompe de bouton. Well, and I am Andre, as I'm your toils, let me, I am a... Infuse, déjà. Alors attends, ça marchait comment ça? Ah ouais, mais là j'ai pas ce qu'il faut. Repair. Ah, j'ai des trucs à réparer, non. Je suis bien, là. Renforcer, il faut combien? 255. Est-ce que je renforce cette arme-là? Est-ce qu'on va la garder? Ah non, si tu dis en plus qu'il y a un katana. Il y a quelqu'un d'autre, là. Oh, hello, you're back and in one piece. Whatever trinket you need, just don't ask me where I'm... Ouais, ok. Bon, il nous faut des sous, quoi. Il nous faut des âmes. Ça dépend si le gars est toujours là, ça dépend... Ouais, bah voilà. Bon, on va aller voir. Alors, tu dis c'était avant d'entrer sur la gauche. Où je suis rentré, moi? Non, c'était pas par là. Non, je suis arrivé par en haut. Donc ça devait être par là, ouais. Donc ici, hop, avant de rentrer là, ça serait par là alors, sur la gauche. Il est où? Qui donne des trucs de titanite, donc ça va. Tu vises quoi pour installer des mods? Bah, je suis allé sur le site Nexus Mod et bah ma foi, t'as juste à cliquer sur un truc et puis après ça se fait tout seul. Hein. Pourtant je suis pas doué en tous ces trucs là, mais là ma foi ça s'est fait tout seul. Hein. Tu connais, bah voilà. Je suis foiré, là. Ah, bref, une dague. Pas ça qui va m'aider beaucoup. Et là, c'est quoi ça? Amber. Il est là. Ouais, là-haut. Mais ouais, je me rappelle de lui. Je crois que on peut le faire tomber, lui. Enfin, dans le jeu de base, il tombait facilement. Après là, je sais pas. Écoute, on va tester.
Lyon. Oh putain. Ah ouais, ok. Bon. Je sais pas, on peut faire des contre-attaques là-dedans? Attends, il fait ça? Ouais. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Alors attends, c'était où? C'était pas là. Hein. S'il tombe dans le vide, oh, faut de quand il revient. Ouais, c'est... mais même des fois il le laisse au bord, il me semble. Mais après, bon. Ça se trouve, il tombera jamais, non? Ah ouais, puis alors, ouais. Eux. Ils vont me gêner. Il est où? Non, il est en haut, non? Ouais. Oh, ils sont chiants. Récupérer ça parce que on va pas leur en faire cadeau. J'ai un arc hein, sinon. Non? Si. Alors attends, comment je fais pour tirer à l'arc? Ah! Putain, c'est ça l'attaque spéciale. Mais moi je veux. Attends, comment tu fais pour tirer à l'arc là-dedans? Comment t'as autant de flèches? Bah c'est livré avec la classe de base, je pense. Par contre, ouais. Comment tu fais pour utiliser l'arc? Bah merde. Ah non, il prend l'épée ce con. Attends, faut que j'enlève l'épée? Ah ouais, ok. Oh putain. Ça va marcher ça? Oh merde. Je peux faire un headshot là? Ouais d'accord. Oh putain. Joli. Oh putain, on va l'achever comme ça. Oh putain, je me casse. Mon épée, elle est où mon épée? Ah oui, attends, je remets le bouclier. Ah non, mais si, regarde, il s'en va. Oh putain, on est bon. Merde, comment j'ai fait pour l'arc? Je sais plus. Ah si, bah attends, je vais l'avoir là, comme ça. Non? Hop. Merde. Oh putain, comment on fait pour jouer avec l'arc? Ah comme ça. Bah, c'est compliqué. Hein. Oh. Je passe pas là? Pourquoi je passe pas hein? Faudrait qu'il recule un peu plus. Ah non, mais il sait pas ce qu'il fait aussi, lui.
peux le contre, mais c'est dur. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que si je pouvais le choper à l'arc, ça serait pas mal. Mais ma flèche, elle passe. Ah, ouais. C'est pas terrible, hein. Merde. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Oh, quel bordel. Pas cette flèche. Ouais. C'est fort possible. Et en plus, attends, comment j'ai fait tout à l'heure pour... Ah voilà, comme ça. Putain, l'enfoiré. Il triche. Il se cache derrière l'arbre. Bon, attends. Je vais mettre par là. Il est où? Il est là. On le tient là, non? Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens! Oh putain, il m'a contré avec son épée. Oh, j'aurais dû l'avoir là. Putain. Oh putain. Il vient là, ce con. Voilà, facile. Ok, c'est bon. On va rouler sur le jeu maintenant. Un truc horrible, clavier souris. Ah bah ouais, mais quelle idée de jouer clavier souris. C'est... Faut pas faire ça. Mais je vais peut-être jouer à l'arc, hein, finalement. Peut-être ça, le secret. Dans le premier Dark Souls, j'ai quasiment tout fait à l'arbalète. C'était super efficace. Alors peut-être que là, dans le mode convergence, il faut tout faire à l'arc. Hein. Alors attends, c'est où le château là? Ça y est, je suis perdu. C'est là où? Ok. Ben voilà. On est bien là. Alors, équipement. Hop. Oh, il est où le... Katana. Il est moins bien, figurez-vous. Il est moins bien. Parce qu'il est en D et en C, alors que moi je suis en 2x B sur la force et la dextérité. Il fait juste du saignement en plus, par contre j'ai plus de critiques. Il est plus lourd aussi, avec moins de durabilité. Du coup, ouais, j'hésite à... Je vais peut-être pas le prendre, hein, finalement. Peut-être pas l'utiliser. Du début à la fin... C'est joué katana et bouclier pour les DLC. J'ai joué lame de mercenaire. Je sais plus ce que j'avais fait, moi, dans le jeu de base... Je me rappelle plus. Je saurais plus te dire, ça remonte à tellement loin. T'avais pris pyromancie pour enflammer l'arme. Ouais, moi je sais par contre que j'utilisais pas du tout la magie.
Mais je sais plus ce que j'avais comme arme pour celui-là. Mais je vais garder mon refiné de short sword, je crois. Et je vais améliorer celui-là, hein, du coup. Par contre, peut-être mettre sa tenue, ça protégera mieux, non? Même pas. Putain. Ah ouais, bah, j'étais pas si mal alors. Finalement. Me plaignais, mais mais j'étais pas si mal. Ouais, étant la portée des arcs. Ton arme est meilleure car elle a une gemme. Ah ouais? Tu vois ça où? En bas à droite, le petit symbole là. Ah, ça veut pas dire que c'est équipé. Attends. Ah non, ok. Et comment j'ai... Ouais, show item info. Skill. Ouais, mais on n'a pas le... On sait pas alors. J'ai pas le détail de ce truc là. Mais ouais, je vais garder ça. Hein. Voir ça au forgeron. Bah écoute, de toute façon on va y aller. Hein. Il est où? Il est pas là. S'il est là. Non, il est pas là. Merde, je me rappelle plus où il est. Il est où, André? Il est en haut? Je suis perdu là-dedans. Je me demande si le boss a changé les boss principaux. Ah bah sûrement, bah regarde là, celui qu'on a fait tout à l'heure. C'était pas lui dans le jeu de base. Après je sais pas s'ils ont tout changé ou... Surtout pas que je me perde en forêt maintenant. Moi j'y vais jamais hein, d'ailleurs. alors attends, André il est où André? On va le trouver. Il est en bas. En bas, en bas? En bas de ça, non, il était pas si bas. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est encore un... Ouais. Putain, il y a du monde là. En bas à droite. Ah bah oui, il est là-bas au fond. Bravo, bien vu. C'est mal indiqué aussi. Alors attends, lui là. Ah ah, so. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain, j'ai pas assez. C'est cher. Bon, André. André, André. Là, je passe à 107. Hein. 107 plus 73.
Alors, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'augmente mes stats? Ashen Pridi the Moktul. Very well. Then touch take no. J'avais dit combien? Putain, je me rappelle plus, faudrait que je note 107 plus Moi, je gagne qu'un point, là. Je crois que j'ai gagné plus en... En montant d'armes, ouais. Plus 73, ok. Donc on va monter l'arme. Ouais, ok, c'est ça, merci. Hop. Après, il faut de la titanite. Je laisse pas le temps d'écrire. Ah bah attends, on est pressé nous, hein, on a... Tout un monde à sauver. Bah, je peux peut-être prendre un niveau aussi, non? Il faut pas laisser la braise s'éteindre. Ah. L'âge des ténèbres, ouais. alors attends. Ouais, je gagne pas grand chose en faisant ça. J'hésite. Je mets quoi de la vie, hein, peut-être. Ouais, parce qu'on est en dessous de toute façon, donc allez, je mets de la vie. Un peu plus de PV. Travel. Crafting. J'ai plus de sous. Alors attends, parce qu'après là, où est-ce qu'on va après ça? Je sais plus. Parce que là-haut, là où il y avait l'autre, on peut pas passer, c'est fermé. Hein. Quoique, Mira, je suis con, je suis pas allé voir. Ça se trouve, c'est ouvert. Hein. Attends, non, il y avait une sortie en haut, non? Aussi. Mais bon, c'est pareil, est-ce qu'ils ont pas changé ça aussi? Ça, c'est par où je suis arrivé, hein. Il y avait un truc là, non? Hail, champion. May the sun shine upon you. Ah. May the sun shine upon you. Lightning miracle. Putain, ils font que de la magie là-dedans. Go with honor. Oh
Joker, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il bouge pas. Target. Ouais, bah oui. Ah non, c'est pour s'entraîner, ça, peut-être, non? Ah, c'est bien, ça. Ça, tu vois les dégâts que tu fais, un peu. Alors, attends. Donc, l'attaque spéciale, ça serait quoi? Ah, je récupère des PM. C'est pas mal, ça. Alors, attends. Ça, ça enlève combien? 257. 214. 152. 189. Ok. Oh, c'est pas mal, ça. Hein. Ça consomme plus d'endu, par contre. Ouais, non, c'est... ça se vaut. Ok. Ouais, là, tu retombais en bas. D'ailleurs, on va prendre ça. Des âmes. Par contre, après, je me rappelle plus où est-ce qu'il faut aller. Où est-ce qu'on atteint la ville, là? Coucou Vivrou, comment ça va? Oh, quel enfoiré. Attends, je vais aller voir là-haut, hein, du coup. Ah non, c'est fermé, évidemment. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui repasse sur Paris dans quelques jours. Ah ouais? Putain, en pleine période des JO. Mais si c'est dans les jours prochains, c'est mort, parce que moi je me casse. Moi je quitte Paris, là je suis en vacances. Je me casse. Mais je reviens dans... Je reviens dans 2 semaines. Donc ouais, si dans 2 semaines vous êtes encore là, on peut se faire un truc. Coucou Céleste, ça y est, t'as fini ton speedrun. DS3, bah c'est le, tu vois, c'est le mode convergence là. Je découvre. Mais le premier boss, ouais, ils l'ont changé et il m'a donné un peu de mal. Et puis là, je sais plus où il faut aller. Là, je suis au début, mais je suis perdu. Ah, ah ouais. Il me donne ça comme ça, lui. Ok. Bien. Bravo. Et en combien de temps alors t'as fait la run là? Je sais plus où il faut aller après ça. Je sais qu'il y a un chemin, mais je sais plus s'il faut passer par le château ou pas.
Ah non, bah ouais, y'a rien là. Cinq heures et demie. Bon, ça va. Et t'as récupéré l'arc alors qui te manquait ? Cette fois, depuis l'entrée du sanctuaire, quand tu rentres, tu vas à droite et tu montes les escaliers. Bah c'est pas ce que je viens de faire. Alors attends, faut que je retourne au... faut que je retrouve le chemin du château. On va y arriver. À droite, il y a la tour dehors, il y a un arbre. Tu peux monter sur l'arbre et sauter sur le toit. Ah ouais? Yes, j'ai l'arc et alors ça valait le coup? Il est bien? Il faut de la technique. Oh putain, bah laisse tomber. Hein. Il n'y a pas un chemin classique Attends, ouais non mais si j'en viens de là. Non, je vais pas... Oula, s'il faut être technique, c'est pas pour moi. On va... Non mais il y a un passage, faut que je trouve où c'est. On va prendre les voies normales, habituelles. Donc là j'arrive de là. C'est pas lui qui nous disait où est-ce qu'il fallait aller ? Ah non, faut aller voir les trônes, non ? Y'a pas un truc comme ça ? Ou alors je peux me TP direct. Oui, il est bien. Ok. C'est le seul passage. Ah ouais? Farewell. Bah attends, il me semble pas que j'avais fait ça moi. Travel. Bah non, bah c'est là non? Parce que nous on est là. Ça direct. Je sais pas où je suis. C'est pas là où je voulais aller. Hein. Enfin, c'est pas là où je croyais aller en tout cas. Je parle pour avoir accès à certains trucs dès le début. Ah ouais, non mais... Ah ouais, non, si, c'est ça, c'est bon. Ok, on est bon, on est bon. Ça va le faire. Je peux pas les verrouiller, hein ? Oh. Essayer de le backstab, lui. Et hop. Merde, putain, qui c'est qui... Il est où? Qui c'est qui m'a tiré dessus? Bah merde, il est où ce con? Je peux remonter moi ou pas? Bah non. Ah si. Et lui il remonte ou pas? Ça a pas l'air. Hein. Alors attends parce que... Par où je passe après moi? Si, il y a les escaliers là-bas. L'autre il revient. Ah. Oh, lui... Il va être chaud lui. Je me casse. Oh putain, ah ouais mais il met une heure à ramasser les trucs. Il est con. Putain.
club, c'est quoi ça le club? Club, Hammer, Strike. Il est pas mal. On va prendre ça, non? Ouais, un petit gourdin. Non, il est moins bien en fait. Ok. Mais j'ai tout ramassé. Là, je peux rusher, hein, non? Allez, on y va. Hop là. Ah, il me suit pas, hein. Non, c'est bon. Ok, ensuite. Ah oh, putain, ouais, il y a le dragon, là. Ça, je me rappelle de ça. Par contre, je sais plus si c'est par là qu'il faut passer. Ah putain, ouais. Oh. Ça, je me rappelle, c'était chiant, ça. Oh. Ça. Ils sont violents. Et pas un chevalier aussi là-dedans? Enfin, dans le jeu de base, en tout cas. Qui me gratte. Je peux pas l'activer lui. Et je peux pas le verrouiller lui. C'est un bug ou c'est fait exprès? Non, remarque, il m'attaque pas non plus, alors ma foi. Je continue. Alors attends, c'est là où ça va se compliquer. Mes 0 âme. Ah. On a pas une lampe? Non, j'ai pas ça. Hein. Alors attends. Hop. Quoi, ça sent le piège à con, ça, non? Ah ouais, putain, on fout pareil. Ah, ils sont plusieurs, non? Parce que j'ai vu un bouclier. Ah ouais. Alors attends, si je vais faire comme... Merde. Je vais faire comme ça, non? Je devrais passer sa garde, hein. Même pas. Bon, ça va. En fait, ouais, je vais garder mon arme à deux mains, hein, parce que le bouclier, il me sert pas à grand chose. Ah putain, attends, le dragon, il est là-bas, non? Je sais pas s'il faut que je tue avant lui. Ouais, d'accord.
Parce que là, attends, il va souffler l'autre. Non ? Ah si. Putain. Pourquoi il a pas brûlé lui ? Enfoiré. Je me rappelle plus s'il faut que je passe par en haut ou par en bas. Je crois que c'est par en bas. Hein. Oh, est-ce que je peux tracer tout droit comme ça? Sans avoir à... Ah non, ouais, parce qu'il faut descendre là. Ça passe si je tombe comme ça? Ça passe. Oh putain, je fonce. Je crois qu'il y a un feu en haut, non? Non? Ah non. C'était pas là. Merde! Putain, il fait mal lui. Ok, ok. Je me casse. Loupé. Peut-être que ça a été modifié. Modé, ouais. Bah sûrement. Hein. Il me semble me rappeler qu'il y avait un feu là-haut, mais en tout cas il n'y est plus. Ou alors faut le tuer d'abord, je sais pas. Mais de toute façon après, ouais, je sais pas où passer du coup. Bon, écoute, je vais tracer, je vais essayer de trouver le chemin à prendre et après on fera ça. Sérieusement, entre guillemets. Je suis passé dans le but. Oh putain, pied. Ah, je suis coincé. Ah ouais, putain, pas le temps de me soigner. Puis ces messages à l'écran, tu vois rien. Ah, attends, c'est de l'autre côté peut-être, non? Il n'y a pas une porte là? On va trouver, on va trouver. Ah. Quel bordel. Oh, il m'a touché, l'enfoiré. Merde, oh putain, je suis coincé. J'ai le temps. Il se fait tôt. Quelle heure il est? Oh putain, ouais, 3h. Merde, je vais pas tarder aussi. Mais bah, bonne nuit à toi aussi, Map. Merci d'être passé. Bonne vacances. Je vais essayer d'atteindre le prochain checkpoint au moins. Putain, 3 heures, ça passait vite.
Attends, si je me mets là, je suis protégé, non? Pas trop. Oh putain, alors attention, je tente ça. Évidemment. Oh, j'y vois rien en plus. Là c'est fermé aussi, non? Oh putain. Bah on s'en sort pas trop mal, hein. Mais je suis quand même perdu. Il y en avait un là, non? Ouais, il est là. Le dragon, si tu mets suffisamment de flèches. Ouais. Genre 300 flèches, non, un truc comme ça. Non mais tout ça pour une pierre en plus, on n'a pas besoin, ça sert à rien. Putain, j'ai pas vu arriver lui. Il était où? D'où il est sorti lui? Boss le plus stylé de Dark Souls 3. Alors attends, dans le 3 il y avait qui en boss? Qui j'avais bien aimé, je sais pas. C'est pas ce spécialement du 3 que j'ai préféré. Alors attends, qui il y avait qui était bien? Il y avait oh putain, je sais même plus. Il y avait un duo, non, de gargouilles ou un truc comme ça, qui était stylé. Le veilleur des abysses. Oh putain, le veilleur des abysses. Celui qui est... oh putain, ouais. Ah, Sullivan. Ouais, je me rappelle. Ouais, Sullivan, il était chiant. Ouais, lui, j'avais galéré un peu sur lui. J'ai récupéré un truc. En 15 minutes, bah écoute, bravo. Hein. Alors moi je sais que il m'avait donné du mal, Sullivan. Alors attends, j'ai pas récupéré une arme, non? Mailbreaker. Ouais, rien de bien. Meilleur des abysses. La première fois il a fallu une heure. Ouais, bah tu vois, je crois que j'ai dû me faire avoir une fois ou deux, mais pas plus. Il me semble, après, je me rappelle plus. Ça se trouve, je dis ça, j'y ai passé peut-être 10 heures. Je sais plus, mais je crois pas, non. C'est pas... C'est pas sur lui que j'ai galéré. Alors attends... Est-ce qu'il faut que je passe par là? Oh, on peut pas l'activer ça.
Ah non, parce qu'il est là. Je suis con. Tu affrontes pas de gargouilles ? Ouais, alors c'est peut-être pas des gargouilles, mais si ou... Il y a deux boss, je crois me rappeler, dans une grotte, mais je crois que c'est dans le DLC, non ? Il y en a un qui fait du feu, je crois, et l'autre il faisait pas du poison ou un truc comme ça ? C'est quoi ça ? Putain, il va être chaud lui, non ? Ouais, ok, ok. Et c'est un cul de sac, évidemment. Ah ouais, bah... Je peux rien faire contre ça. Ouais, les boss gargouilles, ouais, dans le 1. Non, mais c'est pas ça, c'est... Bah, je sais plus ce que c'est, alors. Deux boss, ouais. Deux démons, ouais. Un de feu et un autre de poison. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. La différence, c'est qu'ils sont reliés. Ceux-là, ils étaient stylés. Parce que je ne me rappelle plus par où je suis passé. J'ai pas essayé en haut, hein, tu me diras. Énervé. Ah, j'ai pas assez d'endu. Hein. Faut que je fasse attention à l'endurance. Si tu butes les deux, ils fusionnent pour donner le prince démoniaque. Putain, alors ça, tu vois, je m'en rappelle plus. Attends, c'est pas où j'étais tout à l'heure, ça ? Merde, j'ai plus d'enduit. Putain, il a failli m'avoir. Bah, je vais pas tarder à terminer, Céleste, mais... J'essaie juste d'avoir le checkpoint, mais sinon oui, bonne nuit à toi aussi. Ouais, non, bah écoute, il va falloir que je me tape ça, j'ai l'impression. Oh, puis alors, vas-y, il fait mal.
Wouf. Il donne rien, ce con. Putain. Ça, c'est dégueulasse. Et bah, j'ai pas mon... J'ai pas mon checkpoint, hein. Mais y'a pas un autre escalier, là ? Putain, j'ai fait ça pour rien. Je suis arrivé par là. Quoi, ça va être en bas? On a pas de quoi. Ah! Bravo! Oh putain, ouais, je me rappelle de ça, le toit et tout. Ok. Je peux level up? Ouais. Alors, on va se mettre de l'endu, hein. C'est ça qui me manque là. Hop. Et ouais, ça je me rappelle vaguement. Mais on verra ça une prochaine fois. Parce que là ouais, 3 heures passées, faut pas déconner. Bon, ben bah, on a fait 1h40, c'était pas évident de se remettre là-dedans. En plus, il y a des changements. Pas simple, mais cool. Ils ont enlevé le feu de camp. C'est rien, 3 heures. Bah ouais, c'est rien. C'est rien. Mais là-dessus, ouais, t'as vite fait de passer des heures et des heures. Mais ça va, hein, finalement, 1h40. J'ai plutôt pas trop mal avancé, je trouve. C'est cool. Donc voilà, c'était Dark Souls 3 Convergence. Ils ont même changé la musique d'intro. C'est cool.